Bon, salut à toutes et à tous les amis, c'est Sylvos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce 9ème épisode de Crash Bandicoot 3 Wart. Sauf que cette fois-ci, on n'est pas en compagnie de Kyle, hein, aujourd'hui, ça se jouera seulement entre vous et moi, parce que celui-ci était absent, donc je me suis dit j'allais continuer sans lui, hein, c'est pas grave. Et je sais pas si vous l'avez remarqué les cocos, mais maintenant, l'image, c'est beaucoup plus beau. Vous trouvez pas que c'est beaucoup plus net qu'avant? Bah oui, c'est normal parce que j'ai changé d'émulateur, du coup maintenant c'est de la belle et de la haute définition. Et du coup, ça vous facilitera mieux la vision quand vous regardez la vidéo. Voilà, donc j'ai fait tout mon petit baratin, maintenant on continue notre épopée pour l'obtention des cristaux violets. Donc il nous en reste 4, et après on pourra affronter le dernier boss du jeu, mais bon, ce ne sera pas la fin du jeu. Bref, on en reparlera tout à l'heure, maintenant on attaque. Bah. Bon, il y a juste un petit défaut, c'est ce petit losange là qui apparaît à l'écran. Mais à part ça, l'émulateur, hein, il marche super bien, le jeu, il est net. Et en plus de ça, mon frappe, il le capture bien. Donc, normalement, il devrait pas y avoir de bug. Du moins, j'espère. Je me souviens, c'est comme avec cet émulateur que j'avais filmé mon Spyro à l'époque. Et ok, je suis nul en visage là. Et voilà. Bon allez, on va essayer de pas fail dans cet épisode, même si quand à chaque fois que je dis que je vais pas fail, bah je vais fail. Hop là, hop là. Tac. Par contre les cocos, je tiens à vous prévenir d'une chose, c'est que après cet épisode, qui sera sûrement le dernier du mode histoire, hein, parce que oui, on va finir le mode histoire, hein, le mode histoire il se termine rapidement. Hein. Il vous suffit de 2 heures de gameplay et c'est bon, le mode histoire est terminé. Donc je pense que après cet épisode je vais vous faire les modes contre la montre, comme ça bah, ce sera fait. Par contre vu que ben, les modes contre la montre ça demande un minimum de temps, je suis pas sûr qu'elles arrivent toujours. Je suis pas sûr qu'il y ait toujours une vidéo toutes les semaines. Donc on verra ça. S'il y a une vidéo qui est en retard, c'est que je prends un petit peu de temps parce que vu que je veux avoir les platines, absolument pour les modes contre la montre. Je vais essayer de les obtenir, mais je vous promets rien. Parce qu'il y a certains niveaux qui sont vraiment assez redoutables, comme les niveaux d'eau. J'en ai déjà un qui m'a fait rager, c'est le tout premier. Dans tous les cas, si j'arrive pas à obtenir la platine, bah, je vais pas me forcer. Hein, je vais obtenir la relique d'or et ce sera bien suffisant. Parce qu'il n'y a pas besoin des platines, hein, pour finir le jeu à 105%. Donc bah, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Ah bah pour le moment j'ai pas fail. J'ai pas fail. C'est un miracle. Bon, on va pas quand même faire le coin avec les TNT. Donc comme d'habitude, hein, je récupère pas les... Attendez une seconde. Comment on fait les glissades? Ouais, comme ça. Hop là. J'aime ce jeu. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Enfin, moi depuis le début, je voulais vraiment vous le montrer en haute définition. C'était dommage quand... Ok, bon ça commence. Non. Attendez, ah bah ça va, c'était juste à côté. Donc je disais, je voulais vraiment ce jeu vous le montrer en haute définition. J'étais un petit peu déçu quand j'ai vu la qualité du PSX. Mais maintenant que je suis repassé au PSX parce qu'en fait j'avais un petit mauvais réglage. Bah maintenant c'est beaucoup plus beau. J'aime ça. Voilà, on arrive à la fin du niveau. Celui-là c'était pas le plus compliqué, hein. Celui qui reste le plus compliqué, je pense que c'est celui des avions, mais... En fait, le niveau des avions n'est pas compliqué, hein. Du moment que... Dès que vous avez compris la petite maîtrise... c'est bon. Dès que vous avez compris la maîtrise, c'est bon, ça passe tout seul. 1, 2, 3, 4... Voilà. Et on obtient notre premier cristaux, voilà. Plus que 3 niveaux et on passe au boss. Oui, bon, le losange, il apparaît au début et à la fin de chaque niveau, mais vous me direz, hein, c'est mieux qu'avoir une image floue pendant 24 minutes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, on va se faire le niveau de la moto tout de suite, comme ça, ce sera fait, parce que j'ai un petit doute sur pour celui-là que je vais réussir du premier coup. Mais enfin, il me semble qu'il est plus facile que les autres. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Lui, j'ai déjà eu la platine. Parce que, vu que je vous l'ai dit... enfin, j'ai déjà dit, hein, c'est pas vraiment... je vous spoil pas vraiment. Mais, enfin, je me spoil pas vraiment parce que je m'entraîne aux platines. Bah oui, il faut bien s'entraîner un petit peu quand même. Parce que sinon, je vais passer la journée quand je vais faire les platines. Et celui-là, j'ai déjà eu la platine sur ce niveau, mais il est assez chaud. Enfin, là, je le fais pas du tout en mode platine. Hein. En mode platine, vous cabrez toujours, hein.
avec la moto. Là, je suis en train de cabrer. C'est ça, en fait, cabrer. Pour ceux qui savent pas. Voilà. Putain, j'arrête pas de me prendre les voitures de police. Je sais pas ce qui m'arrive. Alors là, il va falloir foncer dans la barrière. Voilà, putain de bagnole. Laisse-moi passer. Voilà, parfait. Allez hop, plus qu'une bagnole et c'est bon, on y est. Il y a juste un petit endroit qui va être assez serré. C'est... Attendez... Voilà... Putain, saloperie. Comme quoi, intelligence de ce jeu, elle en a quand même une. Allez, putain, saleté. Excusez-moi. Allez, 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 vite, vite, vite. Putain, ce jeu. C'est un truc de fou, comment il veut me troller. Allez, là je peux la rattraper. Si je m'y mets sérieusement, oui, c'est bon. Parfait. Pour un moment j'ai eu peur, j'ai cru que je ne réussirais pas du premier coup. Eh bah si. Ça va. Fouh. Ah, je suis content, je pense. Mais pendant un moment j'ai eu peur. Il s'est passé quoi? C'est quoi cet écran? Pourquoi l'écran... Ok. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Il y a eu un écran violet. Putain, pendant un moment j'ai eu peur les cocos. J'ai eu peur. Allez, let's go, c'est parti. Troisième niveau. Eh, dis donc, j'espère que ça va pas me planter à la fin du jeu. Crash, Coco, attention. Ce n'est pas seulement le docteur Cortex qu'il faut attaquer. Méfiez-vous de Uka Uka. C'est un ennemi bien plus dangereux qu'on pourrait l'imaginer, mes enfants. Mais oui, bah bon. C'est bien beau de nous parler de Uka Uka, mais on l'affronte pas vraiment à la fin du jeu. On affronte Cortex. Alors ça aurait été bien s'ils avaient fait un dernier boss spécial où il y a que Uka Uka. Donc c'est surtout lui le méchant, c'est pas vraiment Cortex. Hein. Cortex, c'est juste... Rien de plus... Oh, putain. Je savais, j'aurais dû utiliser le canon. Bref, c'est pas grave, on recommence. Tac, voilà. Par contre, je sais pas du tout combien de minutes va durer cet épisode. Bah, vous me direz, tant mieux si ça dure plus longtemps. Je vais absolument terminer le jeu dans cet épisode. Ouf. Voilà. Par contre, là, j'ai eu peur quand même tout à l'heure. Hop. C'était comme dans Indiana Jones, là. Voilà. Bon, on va pas faire les fous, là, on va... Voilà. J'aime la facilité. Voilà. Oh putain. Oh, j'ai eu chaud. Oh là là, j'ai eu chaud là. Ah, vous pouvez pas dire le contraire. Bon, je vais quand même celui-là l'éliminer parce que j'ai pas envie de me faire cramer. Voilà. Voilà qui est bien. Checkpoint, voilà. Lui aussi c'est un dangereux. Oh putain. Celui-là, ce niveau, il va être marrant à faire, hein, quand on va attaquer les reliques. Voilà. Voilà. On va pas faire des fous non plus. Allez, voilà. On va essayer de tout tirer d'une traite. Oh, ouf, c'était peu, hein. C'était chaud. Voilà. Ça aussi, attendez, parce que je me suis déjà fait avoir dans le passé... Voilà, il me semble qu'il y en a un autre. Ouais, c'est impossible de tuer un ninja quand il est face à vous en train de vous harponner avec son sabre. Bon, attendez une seconde. Parce que là, Alibaba, il est pas content. Tac, voilà. Oh putain, ce que je fais, c'est des... je suis un fou, moi. Et voilà, c'est bon. Troisième niveau fait! Plus qu'un seul! Allez, ils me font pas l'écran violet, hein? Non, c'est bon. Je pense que c'était juste pour le niveau de la moto. Il y a dû avoir un petit bug quand ils ont fait les configurations sur cette ROM. Voilà! Et le dernier niveau qui est, pour moi, le plus chiant. Enfin, du moins, c'est les avions qui vous bombardent qui sont chiants. Alors là, attendez, je vais bien essayer de vous expliquer pour que vous en sortiez, vous aussi. Alors le but c'est de... Bah cette fois-ci c'est pas des montgolfières, là cette fois-ci c'est des petits... c'est des avions avec deux moteurs qu'il faut...
faut se faire. Par contre là, ok, j'appuie sur start sans m'en rendre compte. Ah ok, j'avais appuyé sur start. Donc là, faut mitrailler les moteurs d'un d'avion. Excusez-moi, là, je perds mes mots. Bon, ça doit être l'émotion. Voilà, bref. Vous m'aurez compris. Ensuite, vous foncez vers celui qui est le plus proche, toujours, et vous faites toujours comme ça. Essayez d'éliminer les petits avions qui sont à vos trousses, un peu comme ça, là. Comme ça, ça vous dérangera pas. Ah, si ça continue, on va peut-être faire un perfect. Allez. De toute façon, pour éviter les mitraillements d'un avion qui vous tire dessus, il vous suffit de tourner, mais faites-le au bon moment. Voilà, pour éviter de quand même recevoir des dégâts, parce que oui, vous en recevez quand même. Ah! Allez, plus que 3 avions. Ouais, je suis là, exemple de ce niveau, je suis pas sûr de pouvoir avoir la relique sur celui-là, parce qu'il est très 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 compliqué. Enfin, faut avoir une bonne maîtrise du niveau. Alors, prendre une petite caisse soignante. Voilà. Alors, il est là-bas. Arrêtez de me tirer dessus! Allez, viens là. À ce niveau, quand on a compris le truc de comment fonctionne l'avion, bah, il devient facile, mais après, aller le faire en mode de contre la montre, oh lolololo. J'ai arrêté de dire que c'est facile parce que chaque fois je me fais troller. Ah là 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 là, arrêtez! Ouh. Où est-ce qu'il y a une caisse soignante? Ça m'aiderait beaucoup. Il y en a une là-bas. Elle est loin. Ah, il y en a une plus proche. Vite! Caisse soignante! Vite! Oui, c'est bon, parfait. Voilà, le dernier. Ah, arrêtez de me tirer dessus. Excusez-moi, je suis pas le pro du joystick. Voilà, allez. Je suis presque. Oui, c'est bon. Fou. Ah bah dis donc, il était chiant celui-là. Et voilà, on a une eau. Bon, maintenant c'est un écran gris. S'il vous plaît, que ça plante pas le jeu. Non, c'est bon. Voilà. Et maintenant, on attaque Cortex, le dernier boss du jeu. Bon, vous en faites pas, on le retrouvera un peu plus tard. Enfin, on le réaffrontera un peu plus tard, mais bon. Là, c'est la première fois qu'on l'affronte. Putain, il est moche. Oh, désolé. C'est la partie où je suis censé être furieux, débordant de rage. Dans une colère noire. Une fois encore, tu as été plus fort et plus malin que mes meilleurs hommes. Je devrais être plutôt énervé. Et en fait, nous sommes furieux. Mais on dirait que tu as oublié un petit détail, espèce de petit livreur orange. Oui. Maintenant que tu as rassemblé les cristaux, il ne nous reste plus qu'à les récupérer. Eh ben, on va voir ça. Bon, ce boss, il est très facile. Bon, enfin, je vais pas dire qu'il est facile parce que je me suis fait défoncer par les autres boss. Mais quand on a compris le principe, il est simple. Crash Bandicoot, pour la dernière fois, donne-moi les cristaux. Donc il se fait en trois phases, ce boss. La première, déjà, eh ben, il y a Uka Uka et Aku Aku qui sont en train de faire ça. Donc si vous prenez leur truc, bah, oula, en plus il y a Cortex qui nous tire dessus. Donc faut toujours sauter et en plus faut éviter les tirs de Cortex. Et une fois qu'il en a tiré 3, il va lancer des petites mines. Et il va désactiver sa protection. Donc pendant ce temps-là, il faut le toucher. Oh putain, c'était chaud. Et une fois qu'il a été touché, bah voilà, vous le jetez dans les égouts. Et vous refaites ça deux autres fois. Seulement Aku Aku et Uka Uka, ils vont faire une autre petite danse. Donc là, il va falloir faire gaffe. Je sais plus dans quel sens il tourne. Oh là. Ouais, c'est pas grave. Hop là. Voilà. Oh putain. Voilà. Voilà. Deuxième fois. Ce boss, il est badass. Hein. Il est très facile dès qu'on a compris le truc. Par contre, là, il va falloir faire gaffe parce que là, c'est un peu plus chaud. Là, ils suivent nos mouvements, là. Allez, tire. Voilà.
Là. Et voilà, c'est... Oh putain. Et voilà, c'est bon, on a battu Cortex. Et ça, on obtient notre dernier pouvoir. La chaussure de vitesse. Pour courir plus vite, maintiens la touche R2 quand tu cours. Appuie sur triangle pour continuer. Et voilà. Donc je vous laisse la petite cinématique de fin. Oh, convaincu. C'est trop injuste. Je devrais prendre ma retraite au bord d'une belle plage. Avec un énorme cocktail. Et une femme avec de bons gros sacs de glace pour ma tête. Ce n'est pas encore fini, Bandicoot. Il reste encore les gemmes. Et voilà. Vous allez me dire c'est tout ? Bah oui, c'est tout. Enfin, du moins, c'est tout pour le mode histoire. Maintenant, on passe à la pratique du jeu. Ça, c'est une autre histoire, ça, par contre. Donc voilà, on a terminé le mode histoire de Crash, mais pas le jeu complètement. Là, je crois qu'on en est à... Je crois qu'on a dû faire 50% du jeu, facilement. Du moins, je sais pas, on va voir ça juste après le générique de fin. Dans tous les cas, là, on va attaquer la partie des modes contre la montre. Vu qu'on a s'éveillé, on a obtenu notre dernier pouvoir, celui qui nous permet de faire des temps records. Et voilà. Et on est paré pour au moins 2-3 minutes de générique de fin. Et j'ai même pas prévu des chips. Parce que là, j'ai faim. Y'a pas des chips dans ce placard? Non? Je suis en pleine vidéo et je cherche des chips. Non, y'a pas ici. Ah, je devrais en racheter. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit notre cher Uka Uka, mais oui, en effet, il reste des gemmes. Ah oui, on n'a pas récupéré toutes les gemmes, parce que pour terminer le jeu à 105%, il faut récupérer toutes les gemmes, à savoir celles de couleur et toutes les gemmes grises, plus toutes les reliques en or ou en platine. Personnellement, pour finir le jeu à fond, mais vraiment à fond, vous avez juste besoin de celles des reliques en or. Je sais, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis quand même. Mais moi, je veux obtenir les platines. Du moins, c'est un petit objectif que je me suis fixé avec Kelsoul. J'ai déjà essayé d'obtenir dans mon autre partie, comme je l'ai dit plusieurs fois, je sais, mais je me le répète. J'essaye d'obtenir les platines. Je les ai toutes obtenues, sauf dans certains niveaux, à savoir les niveaux d'eau, les niveaux d'avion et quelques autres niveaux cachés, mais ça vous verrez un petit peu plus tard. Je vais pas trop vous spoiler, même si maintenant on a découvert le jeu à 100 déjà. Et voilà, je vais essayer de vous faire des vidéos dès que je peux pour les records. Et ça y est, le générique est fini. Bon, ça va, c'était pas si long. Alors, voilà. Bon, ça va maintenant, c'est de la HD, donc je suis content en plus. On va pouvoir attaquer ces vidéos records avec une bonne entrain et une bonne couleur, une bonne visibilité. Ça va être parfait. Donc, vous voulez voir un petit aperçu? Attention. Yop! Yata! C'est bon, maintenant, vous voyez, je peux speeder. Et ça nous permet de gagner un temps fou quand on fait des modes contre la montre. Bref, je pense qu'on va s'en arrêter là, les cocos. Je sais pas combien de temps qu'on a fait de vidéo. Je pense qu'on doit atteindre les 20 minutes, comme d'habitude. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez apprécié. J'adore vous lire, hein. Et d'ailleurs, ça fait toujours plaisir de vous lire. Ou à lâcher un petit j'aime. Ouais, moi, j'aime bien les pouces verts. Parce que c'est beau. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis. Sûrement à la semaine prochaine. Bisous, bye.